Hello, hello la famille, bonjour à tous. Je crois que vous portez bien ce matin. Moi, je me porte à merveille. J'ai très très bien dormi par la grâce de Dieu. J'avais même la flemme de me réveiller ce matin, la famille. Waouh! J'ai constaté qu'ici en Europe, les gens dorment tellement tard. Et en plus, comme c'est l'été, la nuit tombe à 23h. Parfois, on se retrouve en train de dormir minuit, 1h. Réveillon pour laquelle, pour se réveiller le matin, ce n'est pas du tout facile. Même pas un peu, mais bon, il fallait que je me réveille. J'allais laisser ma famille à qui? Il faut quand même que je vienne vous donner quelques bérets de la journée avant que Buzzsprout ne vienne compléter. Comme il est encore au boulot actuellement, moi j'ai encore le temps le matin parce que le soir je serai occupée également. Bienvenue sur votre page Buzzsprout Mars pour les nouveaux arrivants. Nous sommes très ravis de savoir que vous êtes parmi les nôtres. On vous ouvre la porte. Les anciens, là, il faut souvent apprendre à accueillir les nouveaux d'une manière bien. Je me présente, je suis Afro Princesse, l'assistante de Buzz pour Mars. Ah oui, ici sur cette page, je suis en tant qu'assistante. Ma page principale, même, c'est Afro Princesse. Oui, j'ai également une page sur TikTok, mais ces temps-ci, je veux beaucoup avec Buzz pour Max parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a passé de temps. Si je suis devant vous ce matin, c'est vous parler une fois de plus de Axelle Mairie. Ah oui, Axelle, tout le monde connaît ici que je suis l'amoureuse cachée d'Axelle. Axelle, mon chouchou, Axelle, mon crush, Axelle, mon artiste préféré de l'Afrique francophone. Axelle, et encore Axelle, et Axelle, et Axelle, toujours Axelle. Bon. Il a publié hier sur sa page TikTok pour demander quels étaient les croissants préférés de tout un chacun de l'album, quoi. Parce que vous savez, chacun ses préférés. Et la promotion continue, hein. Il ne blague pas la promotion sur sa page. Il est toujours en train de publier, soit zone, soit titulaire, soit Julie, soit beaucoup d'argent. En fait, la promotion tourne en boucle. Il ne blague pas avec. Malgré qu'il a en vacances dans son pays d'origine, son pays natal, le Bénin, mais il ne se laisse pas. Il continue la promotion. Moi, je vais répondre à ta question, Axel Chouchou, par rapport à mes croissants préférés. Mon premier son d'abord préféré dans l'album Température. C'est titulaire. Pourquoi? De un, parce que c'est un son très traditionnel. J'adore les sonorités qui sont mélangées dedans. La dame Mia Gisela, qui a chanté à l'intérieur, je vous assure que sa voix est tellement belle et elle me berce. Elle me fait beaucoup penser aux sonorités de l'Afrique de l'Ouest en général. Et elle a intervenu dans le son là comme si c'était sa propre chanson avec le cœur. Je suis sûre qu'également ce son-là lui a donné beaucoup de popularité. Sincèrement, cette dame-là, après son featuring avec Axel, je suis partie chercher pour voir ses autres sons. Et c'est un talent hors du commun qui ne dit pas son nom. Comme on dit tous les jours, non, on découvre les artistes. Il y a voix et voix, mais sa voix, non. C'est comme si ce sont seulement les anges qui sont descendus dans sa gorge quand il chantait le son là. Le rythme est top, la façon de bouger et tout. Ah là là, je suis fan. Alors, surtout la partie où elle dit c'est toi ma titulaire ou c'est moi ta titulaire et tout. J'aime beaucoup. À travers ce son même, j'ai voulu déjà apprendre le wolof. Ah oui, j'aimerais bien étudier quelques langues africaines. Quelques langues africaines des autres pays, je pensais au Lingala, mais également là, le Wolof est ancré dans ma liste. J'aimerais étudier deux ou trois, mais le Wolof ne peut pas manquer avec le Lingala. Ce sont les langues du généralement de la musique. Quand on transmet ça dans les sons, c'est vraiment hyper super top. Et mon deuxième son, c'est Zone avec Kim. Parce qu'il est très très doux, j'aime beaucoup les paroles. Là, Axel vocalise hyper bien. C'est là où j'ai su qu'il travaille beaucoup, 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 même sa voix. La voix d'Axel d'avant et par rapport à maintenant, il n'y a pas de match. Et c'est dans le son zone que j'ai compris ça. La voix est plus filigrée, plus travaillée. Tu sens qu'il ne fait pas du n'importe quoi, il ne fait pas les excès, il n'abuse pas, il ne boit pas n'importe comment. Il sait vraiment ce qu'il veut et ce n'est pas du tout facile. Je vous assure que chanter, ce n'est pas facile. Hein. Même les chanteurs, là, on le travaille jusqu'à. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Le troisième son qui me plaît beaucoup là, c'est Beaucoup d'argent. Parce que c'est une réalité, c'est qu'ils disent dans le son là que c'est parce que quelqu'un a généralement beaucoup d'argent que les filles collent. Oui, parce que nous les femmes, on est matérialistes. Hein. Une femme qui a envie de se placer ici, elle a dit qu'elle n'est pas matérialiste, laisse ça, moi je ne vais pas croire. Mais c'est vrai qu'il y a degré et degré de matérialisme. On aime bien que quand tu es avec un homme, de temps en temps, il te donne les surprises, te fait les cadeaux, il te motive quand même, ça te fait quand même sentir aimé, hein. Ça te fait sentir aimé et c'est très très important même. Franchement même.
Raison pour laquelle j'aime également beaucoup ce son-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà mon top 3 des sons préférés de l'album Température La Famille. Et vous, quels sont vos sons préférés de l'album Température? Moi, je vous ai dit, il y a Beaucoup d'argent, il y a Titulaire, il y a Zone. N'hésitez pas également de continuer à encourager nos artistes à travers un like et un partage. Notre page également, encouragez-nous. Suivez les sons sur YouTube, téléchargez au maximum pour ceux qui le peuvent. Ah oui, tout ça, c'est en fonction des moyens pour hisser nos artistes au sommet, pour qu'également les autres sons atteignent les millions de vues. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort. Bisous!